C'est une dinguerie comment je ressemble à une tantine. Vous avez pas remarqué que je ressemble à une tantine parfois? Bah, première étape, les sourcils, hein, comme d'habitude, brosser, tracer et concealer. Comme d'habitude, pour mes sourcils, j'utilise la Ice Brow Pomade de chez Emma. J'en ai racheté une nouvelle parce que je kiffe trop. Je crois que c'est le meilleur produit pour mes sourcils avec les produits Ministar, mais je crois que c'est vraiment le meilleur. C'est dans la teinte Dark Brown, comme d'habitude. C'est une dinguerie, genre une fois que tu as le coup de pinceau, ça passe tellement vite. Voilà, genre en une minute à peine, j'ai fini mon sourcil. En deux minutes, j'ai fini mes sourcils. C'est parfait. Maintenant, go pour mon teint. Alors ma peau, je l'ai déjà hydratée un tout petit peu. Pour mon teint, je vais utiliser un fond de teint MAC. La teinte que là, je vais utiliser, c'est A17. Je vais l'appliquer avec un pinceau, mais genre je vais le tremper dedans. Je crois que j'en ai légèrement mis trop. Enfin, je ressemble à rien comme ça, regardez. Ouh. Ah ouais, je crois qu'il est vraiment trop foncé pour moi. Hein. C'est pas très grave en vrai qu'il soit plus foncé que moi. Genre, c'est quoi, une teinte de plus? Ouais, genre c'est une teinte de plus, c'est pas gravissime. Ça se voit pas de ouf non plus. Regardez, hop. Quand on estompe bien. J'en mets un petit peu dans mon cou. Bon, en fait, c'est ma teinte en fait, je crois. Hey, je parle trop pour rien en fait, c'est ma teinte, regardez. C'est exactement la même couleur que mon cou en fait. J'ai voulu mettre du fond de teint sur mon cou, mais ça me servait à rien en fait. C'est une dinguerie comme je ressemble à une tantine. Vous avez pas remarqué que je ressemble à une tantine parfois? J'ai un peu de teint comme ça. Ah, j'aime trop. J'avais peur que ce soit pas ma teinte, mais en fait c'est parfait. Yeah. Eh, je vous jure, les sourcils c'est très important. Tout au long de votre make-up, vous devez vous assurer que vos sourcils soient on flick. Parce que sinon, ça peut tout niquer. Tu peux faire un bête de make-up. Tes sourcils sont wow. Ton make-up est bof. J'ai vu une vidéo sur Insta, genre c'était un photomontage de Cardi B. Ils ont juste changé ses sourcils. Mais on dirait une autre personne. Eh, c'était une dinguerie. Pour mes sourcils, j'utilise toujours le concealer de chez LA Girl. Le concealer, c'est vraiment important parce que genre c'est ça qui définit votre sourcil. Le concealer, genre ça nettoie votre sourcil, ça fait en sorte qu'il soit propre. Ok, je reprends ça. J'estompe pas plus que ça parce qu'après je vais faire mes paupières. C'est un pinceau où il n'y a rien dessus, genre il n'y a aucune palette du tout. C'est juste un pinceau pour estomper comme ça, nettoyer. Pour mes paupières, je vais utiliser les couleurs bleues de la petite palette que j'ai totalement détruite de Nocibé. C'était la Bubble Palette. Si jamais vous êtes intéressé, que vous avez la Bubble Palette chez vous. Comme couleur, je vais utiliser ce bleu-là.
Je vais maintenant venir appliquer cette couleur-là dans le centre. Je vais maintenant venir appliquer la même couleur, genre celle du début, mais avec mon doigt. Quand tu appliques avec le doigt, la couleur elle s'intensifie, genre. Là, vous voyez bien, genre, la différence. Pinceau, doigt. Pinceau, doigt. Je vais venir reprendre le pinceau et vraiment, genre, essayer de faire en sorte que ça fasse pas paquet. Voilà. Je vais maintenant venir appliquer une autre palette de Nocibé aussi. Ce sera la couleur bleue, mais plus foncée, celle-là, là. Celle-là, ici présente. Avec Barbie, tout est possible. Maintenant, je vais venir appliquer un pinceau neutre et estomper un peu tout ça. Wouhou. Je vais faire un grand mélange, gros boudoir. Et là, je vais venir appliquer cette couleur là. C'est un petit marron plutôt bien sympa que j'aime bien. Ah, ça pète. Ah, ça pète. Ah putain, ça pète. Oh, ça pète. Avec ma pinceau neutre encore, je vais venir hop, estomper. Vous aimez? Je sais que je suis pas make-up artiste, mais j'aime bien. Oh. Elle jouait du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous. Pour moi, ça veut dire beaucoup. Oh merde! Dernière petite étape, je vais mettre du crayon bleu en dessous. Ça donne ça. Et pour finir le teint, je vais utiliser ma poudre de Sleek Makeup. C'est là, elle est trop belle. C'est dans la teinte dark. Elle est... Et franchement, c'est la meilleure poudre que j'ai. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez la trouver sur Super Beauté à 8 €. Je vais venir faire un semblant de contouring avec un concealer et les girls un petit peu plus foncé. Hop. Je peux maintenant venir estomper. Et là, vu qu'on voit de ouf le concealer, c'est simple. Mon pinceau ultra neutre, je vais mettre de la poudre Pink Paris. Ça va venir camoufler un petit peu. Comme highlighter, j'utilise le Glow Kit de You Can Pee. Je vais tout simplement venir appliquer celle-là. C'est trop beau. Le problème avec cette palette, c'est qu'elle est tellement pigmentée que juste un tout petit peu, c'est trop. Bon, de l'autre côté. Vous avez vu ou pas ce que je vous dis, genre juste un tout petit peu c'est trop déjà. Du coup ça fait un trait façon, mais moi j'aime pas quand ça fait trait. Je veux que ça fasse un glow naturel. Ça glow de ouf, mais c'est pas un glow naturel, vous avez capté. Je vais venir tamiser un peu tout ça
Oh là là, et c'est trop beau. Mais bon, c'est pas ce que je cherche. Oh là là. C'est grave beau, mais c'est pas du tout ce que je recherche. Parce qu'en soi, même si parfois j'ai les cheveux verts, jaunes, bleus, je suis quelqu'un de plutôt discret. J'aime pas trop me faire remarquer. Regardez, genre ça c'est pétant parce que genre ça fait un glow naturel, mais la couleur en tapant dans le soleil, ça va faire wow. Vous avez capté? Titi, mais juste ça, et vous allez voir déjà, ça va faire un glow de ouf. Je laisse tomber de façon à ce qu'on ne le voit pas, genre directement. Faudra vraiment que quand le soleil tape. Maintenant, avec mon doigt, je vais venir juste faire un trait pour en appliquer le bout de mon mail. Je me suis grave emportée. Ah, oh, c'est une blague. Calme. Ouf. Hey, je vous jure, cette palette là qui tant qu'on y est. Je vais juste venir mettre du gloss. Mon faux grande beauté vu que j'ai plus d'eyeliner, je vais faire ça. Alors mon pinceau bien pointu avec ma crème pour sourcils, j'ai tapoté, hop, en placer un là, en placer un là, et où mon corps? Non, je pense que ça suffit. Ah non, là en dessous. Et hop, voilà. Ouh, on dirait que j'ai... Voilà ce que ça donne au soleil. Vous voyez, en fait, c'est ce que je dis. Genre, ça donne un glow naturel mais pétant. Vous avez capté? Naturel mais pétant. J'ai...